On peut mesurer 1m32 et être flic. Bien sûr. Philippe. Oui, non, c'est une grande. Oui, oui. Combien vous mesurez, Philippe, vous? 1 mètre quelque chose. Ah oui. Et vous avez regardé samedi. Alors, vous voyez, on croit qu'il va dans des concerts. Mais non, j'ai pas regardé. Bah, tiens. Mais vous êtes fou, Laurent. On croit que le mec va voir AC/DC, Rolling Stones. Et total, le samedi soir, il est en Charentaise, en train de regarder Mimi Mathilde. Sur la 3, sur vous voyez. France 3. C'est la dernière fois que je réponds à une question. Si je deviens le sujet de blague comme ça, j'ai vu l'annonce dans les journaux télé. Je me suis dit, ça marchera jamais. Si, ça a été un carton. Et ça a cartonné. Hein. Donc, voilà. Ah, ça marche. Ah, j'ai retenu. Vous y croyiez pas, vous, à la fliquette d'un mètre 32. Je l'imagine dire haut les mains. Les gens se retournent, ils voient personne. Non, c'est dégueulasse. Je suis là en train d'essayer. Vous me connaissez, bonhomme comme je suis. Ça, vous êtes bonhomme. Il y avait passe-partout aussi, non? Non, écoutez, Bernard. Si les gros se foutent de la gueule des petits, on n'est pas sorti de l'auberge. En plus, Mimi sera à Strasbourg avec les Enfoirés, où elle rendra hommage à Annie Cordy. Elle est morte? Non. Mais non, elle n'est pas morte, Annie Cordy. Oui, remarquez, c'est vrai que dans ces cas-là, je me dis, mais pourquoi ils ne font pas venir Annie Cordy après tout ça? Mais oui. C'est pas idiot. Ouais. Ce que vous dites n'est pas toujours idiot, Bernard. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais c'est très souvent con, c'est bizarre à analyser. Annie Cordy. Personne ici n'a regardé la série avec Mimi Mathy. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites le samedi soir, Valérie? Moi, j'étais sur scène samedi soir. Ah, j'étais à Raon-l'Étape. Où ça? À Raon-l'Étape, c'est à une petite heure de Nancy. Et vous jouez quoi à Raon-l'Étape? Ça reste entre nous. Ah, c'est un joli titre, ça reste entre nous, dites donc. Et c'est très drôle. Hein. Avec qui vous jouez ça? Je joue avec Michel Garcia, avec Bruno Chappelle et avec Pierre Douglas. C'était dans un club privé? Non, un théâtre. Non, il joue chez des gens, Ariel. C'est pas une partouze. Hein. Ou dans un club privé. Mais où est-ce que vous voulez qu'elle joue dans un club privé, Ariel? Elle sonne dans les immeubles et elle dit, est-ce qu'on peut jouer? J'ai dit que j'étais sur scène. Hein. Ou sur scène. Oui, oui. Mais tu es restée très discrète, ce soir, c'est pour ça. Ce soir, dans votre discothèque, Valérie Mérès. Mais vous êtes folle, Ariel, enfin voyons. Non, mais c'est parce que j'ai dit ça reste entre nous. Voilà, alors c'est elle ça, a ça reste entre nous. Je me suis dit, qu'est-ce qui reste entre nous? Quelque chose comme ça. Et vous n'avez pas regardé alors, Vikash? Non, je ne regardais pas. Non. Je regarde pas trop la télé. C'est quoi votre flic préféré, vous? Tom Selleck. Moi aussi. Ah, ouais. Tu vois, on a les mêmes goûts. Ah non, faut pas t'enflamme pas. Ah bah, vous allez pouvoir sucer un McDonald's tous les deux à la maison. Ah oui. Tous les deux, je suis pas sûr, mais Valérie, certainement. Et vous, votre flic préféré, alors, Ariel? Mon flic préféré, je crois que c'est Don Johnson dans Miami Vice. Ah ben oui, vous avez. Ça, c'est pour nous rappeler qu'elle a joué dans Deux flics à Miami. Elle a joué dans Deux flics. Eh oui, elle a joué dans Deux flics à Miami, c'est quand ça. Même. Oui. Moi, en même temps, c'est pas un flic. Mon préféré, c'est Hercule Poirot. Et il est. Ah oui. Et il est pas. Ah, on passe du Magnum vraiment. Au Poirot là. Non, parce que Magnum, c'était pour. Elle ne vous envoie que des messages codés, Vikash. Dans un instant, elle va vous parler de Manix.